Alors, je m'appelle Doriane, je suis hôtesse à bord du Polar Front depuis mars 2022. Avant ça, j'ai donc passé un BTS tourisme. Suite à ça, j'ai eu mon premier poste de guide à bord de petits navires à passagers côtiers en Finistère Sud. Et le travail sur les bateaux m'a vraiment énormément plu. Et suite à ça, l'armateur avec qui je travaillais voulait que je passe en fait des diplômes qui me permettaient d'avoir la fonction de marin à bord. Par rapport à mon niveau d'études, on m'a tout de suite proposé de passer un brevet de capitaine en fait. Donc j'ai été passée à Concarneau en 2015 à un brevet de ce qu'on appelle le capitaine 200 UMS. Et donc une fois qu'on l'obtient, il faut faire 12 mois de navigation en mer en tant que matelot. Voilà, j'ai eu plusieurs expériences sur plein de navires à passagers côtiers. Et c'est là que j'ai eu le poste à Ifremer, donc en 2021. Ifremer, c'est Centre océanographique français de recherche scientifique. Donc le travail était pour ma mission d'être matelot-pêcheur. Et en plus de ça, j'avais un quart en passerelle. Donc l'idée du quart en passerelle, c'est simplement de surveiller avec un officier les radars, les outils de navigation, si on ne va pas rentrer du coup en collision avec un autre bateau. Là, ce n'est pas de la pêche comme on se l'imagine, c'est de la pêche scientifique. Donc, c'est vraiment des petits traits de chalut.